vidéo de la série sur la lecture et l'analyse de Laura. Mon schéma est en place, mon pendule est prêt. Vous le savez, je vois l'énergie en direct, mais quand les gens viennent dans mon cabinet et me consultent, ils ont besoin d'avoir un support pour leur permettre de visualiser leur propre aura. Et c'est pour ça que j'utilise ce schéma. Pour me permettre de capter plus facilement l'énergie des patients, et c'est comme si je voulais la comprimer, la condenser pour mieux la voir, je vais poser dans un premier temps deux pierres sur le schéma. Première pierre, la tourmaline noire. Une base, une pointe, et je pose la pointe vers le cylindre, donc le contenant de son âme, vers le haut. Maintenant, mon patient est posé sur une pyramide qui remonte de l'énergie tellurique sous ses pieds. Normalement, d'emblée, il doit commencer à ressentir des petites vibrations sous ses pieds. Deuxième pierre, du cristal de roche. Toujours une base, toujours une pointe. Et là, il s'agit de faire une pyramide inversée, un petit peu comme un entonnoir qui déverserait une cataracte d'énergie cosmique sur le cylindre de mon patient. Je pose la pointe en bas, dirigée vers le cylindre. Maintenant, mon patient est comprimé dans sa hauteur par un cône d'énergie qui remonte et par un cône d'énergie qui descend. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir analyser le contenu de son aura, de ses structures énergétiques. Je vais pouvoir dans le même temps analyser le fonctionnement de son corps éthérique, donc le fonctionnement de ses cellules, et je vais pouvoir voir les couleurs qui sont inscrites dans ses structures. Éventuellement, je vais voir les pressions conscientes et inconscientes à l'extérieur de ses structures énergétiques. À très bientôt pour la suite. Bonne journée.